Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Sebipero. Je m'appelle Alex et puis j'ai l'honneur de vous présenter mon premier vlog qui sera sur un voyage en Suisse, plus précisément en transport public. Et tout cela, je ne ferai pas seul, évidemment. Comme vous l'avez également vu dans le titre, je serai accompagné de Guillaume. Ce vlog, il se passera demain matin, demain dans toute la journée, mais principalement demain matin avec un réveil à 4h, ou plus précisément à 3h55 du matin. Nous voyons 3h55 demain matin, puis actuellement, comme on l'a dit, il est 22h05. Ce sera une courte nuit que j'aurai devant moi, mais ce n'est pas grave. Je vous propose qu'on se voit demain matin à 4h et d'ici là, dormez bien. Je ne vous ai pas dit pourquoi je vais faire ce vlog avec Guillaume demain. C'est parce que notre classe organise son dernier jour pour se dire au revoir avec toute la classe d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a prévu d'aller voyager un petit peu juste avant, d'où le réveil à 3h55. Et tout ça, on aura rendez-vous à Nyon à midi. Et voilà, on vous expliquera tout ça lors du vlog. Voilà, moi je vais aller dormir et puis je vais encore préparer mes affaires. Et puis on se revoit demain. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui le 24 mai. Comme on l'a dit hier, il est 4h20 du matin. Réveil assez matinal du coup pour une si courte nuit. Mais ce n'est pas grave, on va juste préparer notre thé parce que c'est évidemment le carburant journalier. Et ensuite, je vous explique un petit peu le programme. En attendant que le thé chauffe, je peux vous parler deux mots de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais me diriger dans un petit quart d'heure vers la gare d'Aigle, qui se situe à peu près à 15 minutes de marche d'ici. Vous verrez le temps de trajet qu'il faudra. Et ensuite, on va se diriger en direction de Lausanne pour faire un changement de train direction Bienne, où je rejoindrai Guillaume. Enfin, Guillaume me rejoindra à Bienne. Et ensuite, on fera la suite du voyage, que nous partirons sur Berne, ensuite Kandersteg, Brig et Nyon, si tout va bien. Vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après après Nyon, il y aura une petite surprise pour vous. Allez, je me prépare le thé et ensuite on y va tranquillement à la gare. Il est temps d'aller à la gare, donc c'est ce qu'on va faire à l'instant. C'est parti! Voilà, on est en route, comme vous le voyez, le jour commence à se lever et il n'y a pas grand monde sur la route cantonale, quoique là, il y a actuellement une voiture qui va passer. Mais on se dirige vers la gare, on a un petit quart d'heure de marche. Voilà, le premier véhicule que je croise aujourd'hui sur la route, normalement très fréquentée aux heures de pointe. Je vais vous montrer tout ça, on va faire 2-3 petits plans de la promenade. Et on se revoit à la gare. C'est parti!
de Genève. Continuez à observer les règles d'hygiène et à garder vos distances, notamment en montant dans le train et en descendant. Messieurs, nous arrivons en gare de Lausanne sur la voie 8, la descente du train sera du côté droite après le sens de marche du train. Acheter à manger, j'ai pris un sandwich. Non, j'ai pas pris de sandwich. Sans le prendre à Yverdon, ça sera le premier défi de la journée. Des chips et une petite collation pour le déjeuner à partager avec Alexandre qui ne sait toujours pas combien normalement. Et j'espère que ça va rester comme ça. Donc ce train là, il va arriver normalement 15 minutes avant le départ de celui d'Alexandre à Yverdon. Et si vraiment on a un souci, on pourra toujours descendre à Neuchâtel. Voilà. Voilà, il est 6h15 à peu près. Ouais. Je suis dans l'Intercity 5 en direction de Bienne. Et puis, comme vous l'avez vu juste avant, il y a Guillaume qui m'a rejoint en fait à Yverdon alors que c'était pas du tout prévu. Voilà, bah, il est là. Salut, ça a marché? Oui, alors ça a très bien marché parce que. En plus, ce qui est drôle, c'est que je voulais filmer le lever du soleil et puis c'est à pile à ce moment-là qu'il débarque. Donc ça va marcher. Là on va se déplacer du coup dans un endroit où il n'y a personne et puis on va filmer ce lever du soleil. C'est parti. Allons. Voilà, je suis arrivé à Bienne avec Guillaume du coup.
Et puis là, on est en train de prendre le nouveau passage sous voie parce que je ne savais pas qu'il y avait un nouveau passage sous voie. Donc on va l'inaugurer aujourd'hui. Donc, du nouveau passage sous voie. C'est l'ancien passage de la poste. Voie 9. Exact. Comme on avait déjà bien. Voilà. Ah oui, bah c'était déjà prévu. Oui, c'était prévu. Bah. C'est, en fait, on est venu là pour vous montrer le S31 et qu'il ne faut pas se tromper. Exactement. Beta Echo Charlie Zibafir Bru. Voilà, j'ai failli la laisser tomber. Alors, bienvenue sur la voie de Berne. Il est 14h45, nous sommes toujours avec Guillaume, hein, salut. Nous allons partir en direction du Bouvray, donc nous sommes ici actuellement à Ouchy. Du coup, bah, je vais vous faire 2-3 petits plans du voyage sur le lac, parce qu'on aura un petit temps de trajet devant nous, donc ça va bien, on va pouvoir profiter tout en vous montrant tout ça. Bah, du coup, là, en fait, on va faire une heure de bateau jusqu'à Vevey. Et après, normalement, on a un autre bateau qui devrait nous amener au bout du lac, côté Valais. Affaire à suivre.